Le reportage qui m'a le plus marqué, c'est celui que j'ai fait avec le général Valéry André. En fait, j'avais lu son autobiographie qui s'appelait Madame le Général. J'avais qu'une envie, c'était de la ramener au musée de l'air et de l'espace, devant son hélicoptère, celui qu'elle avait piloté en Algérie, qu'elle nous raconte voilà, tout son parcours, sa vie et comment elle était devenue à la fois médecin, parachutiste, pilote et puis première femme générale des armées. Quand je lui tends ma tablette et qu'elle se voit, elle, 50 ans auparavant, c'est un moment fort parce qu'on voit tout de suite qu'elle est émue. C'est pour ce genre de rencontre qu'on fait ce genre de métier, et c'est le genre de témoignage, ça n'arrive pas souvent. Une rencontre extraordinaire, un moment unique.